soumettez-vous. Je ne monsieur, me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir. Vous, vous en permanence, debout, vous salissez les étrangers, vous salissez les juges, comme on vient de le voir. Vous salissez les uns et les autres, Madame Le Pen. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apaisement et d'efficacité. Je suis désolé, je pouvais faire un débat tout seul. On peut dire aussi que la bassesse, pour la bassesse, il faut être deux. Oui, je vous remercie de cela. Je ne crois pas être celui qui ait lancé les hostilités. J'ai essayé à chaque fois de ramener le débat vers des sujets de fond. Mais je me devais, parfois, de répondre. Et de répondre à tout. Malheureusement ou heureusement. Mais je pense que sur des sujets comme le terrorisme, il était extrêmement important d'expliquer ce que le Front National, comme parti du Parlement européen, n'a pas fait pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire à peu près tout ce que l'Europe a proposé. De piètre qualité. Non, non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Il a été sévère. Ce matin. Non, il a été sévère. Il était nécessaire qu'il soit sévère parce que, encore une fois, l'enjeu est fondamental. Là, c'est vrai qu'on est en désaccord sur tout. Et évidemment, sur chacun des sujets, il est apparu que ce désaccord était profond. Et c'est peut-être cela qui a bousculé un peu les codes. Vous pensez... Mais c'est important de réveiller les Français, M. Bourdin. À partir du moment où M. Macron s'est mis sur ses insinuations par rapport à ses prétendues affaires, alors qu'il y a cette présomption de mensonge, la Marine Le Pen tout à fait naturellement lui a rétorqué qu'il ne faudrait pas qu'on apprenne de mauvaises nouvelles à votre égard dans les heures qui vont venir. C'est tout. Dans tous les sondages post-débat aux États-Unis, Hillary Clinton était largement devant Trump. Et puis qui a gagné à la fin? C'est Trump. Voilà. Donc, bon, visiblement, vous ne serez pas la première ministre d'Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même. Oui, mais je n'ai jamais postulé à cette fonction. Je finis d'ailleurs par me demander si l'origine de cette rumeur n'est pas le Front National.